Voilà, nous sommes du côté des quais militaires, de la darse militaire. Il se peut ici que ce soit la Nivose qui a brûlé, un quai. Et là, il y a une autre frégate, peut-être militaire. Voilà, c'est les quais militaires par ici. Alors, en faisant un petit... Là, on arrive au ciment. Et toujours l'Austral ici. L'Austral à quai toujours. Donc il se peut que nous fassions un petit tour à bicyclette et il y a toutes les chances que ça démarre maintenant. Voilà alors Sérigny Pêche, le quai frigorifique. Donc l'Austral dans toute sa splendeur. Et là on longe les quais. On va peut-être faire le tour par en face là-bas, c'est pas sûr, mais on sait jamais. Vous verrez qu'on repassera aux états Earle Lourme là. Alors là il y a. Je crois que c'est là le bus, je garantis rien devant. Voilà donc Rémy Pêche, on fait le tour du. Voilà, les moteurs frigorifiques. Voilà, devant, il y a un silo à glace qui distribue de la glace pour les bateaux là, par une sorte de tube plastique dont on voit une partie là au milieu. Alors voilà les bateaux. Ça, c'est le manoal qui, lui, marche contrairement à ceux qui le précèdent, là, comme le Clipperton. Enfin, voilà là. De frigo. Voilà donc manoal, Clipperton, la fournaise. Hein, et on voit les cheminées un peu tachées. On va descendre doucement par une belle descente. Voilà, là-bas c'est les. Devant. Alors là on va essayer de descendre tranquillement avec le frein, en essayant de ne pas se casser la margoulette. Voilà un petit virage sympathique. Faut pas rater la Cap Chloé là. Alors là la Saraswati, le Vétiver 8. Voilà un autre Sainte-Marie là. Sainte-Marie. On tourne au bout du quai, de nouveau. Le Saint-Udi, celui-là je ne le connais pas trop. Saint-Udi. Alors là c'est un nom, le Vétiver 8. Quelques autres bateaux ici. Voilà, alors lui c'est le Piana. Let's go, Vétiver 9. Voilà, alors là, Cap Diane, là c'est le Havre, enfin, l'Osiris là en fait, devant. Voilà l'Osiris. Voilà, là c'est le bateau là-bas, je ne sais plus, le Bigoudin là-bas. Voilà l'Osiris. Bon, là c'est la SRPP. On tourne le bout du quai, le bout du quai, le bout du cul. Voilà, Picoudin et les autres bateaux. L'Austral devant. Voilà, comme je vous le disais, on arrive en face. Earle Lourme. Aucun bateau ici. Voilà, là-bas, ce sont les entrepôts frigorifiques. Voilà, alors ça c'est une tuyauterie industrielle, réparation navale, c'est dur. Alors devant c'est les armements réunionnais, la SAPMER, donc l'Austral. Et là on retrouve les quais
militaire, la Dars militaire, par là-bas, dans toute sa splendeur, une fois dans l'ouest. Voilà l'Austral. Austral, au désespoir, aux vieillesses et demi. Il devrait pas tarder à partir, le bougre. Austral. Attaché au quai depuis un certain temps, par ses liens. Voilà les Dars militaires là-bas. Nous, on va essayer de sortir par là. Est-ce ouvert? Yes, I. Ce petit chemin qui sent bon l'océan, ce petit chemin qui sont bons l'océan. Prends ma main dans ta main sur ce petit chemin. Alors nous descendons vers l'océan de nouveau, avec devant nous le terminal cimentier de Lafarge. Là, c'est les quais de drague. Moi, j'ai comme qui dirait l'épaule démontée par mon sac. Ça me fait s'ouvrir comme tabarnak. Lafarge-Ciment. Les beaux drapeaux. Nous arrivons au bout du quai, non c'est la jetée. Alors là, nous allons essayer d'avancer. Oh putain, merde, la merde par terre. Alors là, il y a un peu de sable, donc on essaie d'y avancer. D'une main, c'est pas évident, mais on y va quand même. Ouais, ça giclaille, ce qui est sympathique, sympatoche comme dirait l'autre. Oh là, ça giclaille là-bas, sur la jetée sud. Allez, on va terminer dans le soso, dans le soleil.